Oui, bonjour. Comment ça va? Comment vous allez bien? Ça y est, c'est vendredi. Et tout comme vendredi, non pas du tout. Bon, on va continuer ce petit bateau qu'on a attaqué mardi. Est-ce qu'on va réussir à le finir aujourd'hui? Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Sachant que le rendu actuel. Ceux qui n'étaient pas là, on en est là. Et coucou, Okidoki, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, le bateau ressemble à ça actuellement. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'améliorer un peu cette coque qui est un peu plan-plan. Mais avant, je vais faire un support d'eau. Du coup, on va créer un cube. Mesh cube. En fait, non, je reproche mon bête. Curseur to world origin. Hop. Cube. Très bien. Un peu trop cubique à l'arrière, non. C'est ça. Exactement. Pourquoi focus? Ouais, c'est ça, faudra casser un petit peu ces angles-là. Tout à fait. Et j'ai pas rempli ma gourde, donc je partirai à un moment donné. Pour la remplir. Pourquoi elle est mal foutue, cette caméra, là? Et voilà, un peu mieux. Du coup. Tac, tac. Ça sera un truc comme ça. Peut-être plutôt faire un 3. Un 3. On va contrôle T. Voilà. Hop, et là, vue du dessus. Hop. Et là, tac, random. Ah, le screencast qui ne s'est pas activé. Il n'y a pas moyen de dire. Lance-toi dès le début. Et du coup, là, si je prends le vertice du milieu et que je monte, voilà, pour casser un petit peu. Voilà, comme ça. Du coup, le bateau sera sur un cube d'eau. D'ailleurs, non, ça va me casser mes angles si je fais ça. Ce serait plutôt ratiboisage. Comme ça. Et là, on peut sectionner les quatre de derrière et faire une jolie face. Voilà.
Alors, Water. Un 333, je crois, hein, l'IOR. Coucou, c'est vous. IOR. Water. À force de l'utiliser, je vais le connaître par cœur. Hein. Water, 1333, à 0 degré, ouais, 1333 aussi, à 20 degrés, entre les deux, ça ne bougera pas. Voilà. Transmission à balle. Et voilà. Ah oui, il y a le plane. Va falloir que je remonte le tout. Ou plutôt. On va plutôt descendre le plan. Hein. Truc comme ça. Hein. Là, je vous vois plus. Je vois plus le chat. Hop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rendu de l'eau, donc on peut me faire. Hop. Juste ici. Attends. Voilà. Augmenter le nombre de samples parce que là là, dès qu'on met une couleur ça va changer. Truc comme ça. Avec un peu de brillant, ça se reflète. Un peu beaucoup de brillant même. Sais pas ce que c'est le Chine. Ouais, en matériel preview, ça marche pas très bien. On pourrait presque mettre un peu d'émission. Ouais, non. Bon, je vais rester sur cette couleur-là. Hein. Non, c'est là. Hop, join, tac. Ah, pas évident de faire de l'eau. Hein. Salut le chat. Et hop, tu veux même pas dire bonjour là. Tu viens directement entre mes jambes. Ok, bon, alors du coup, le battle. Il manque une voile.
Mais oh, tu fais quoi? Je me fais à gratter là sur mon bureau. Cordage. Comment vous allez, vous, sinon? Rigging. Rigging right. Rigging left. Non, pas du rigging traditionnel dans en 3D. Du coup, ouais, l'arrière. Toute cette partie-là. Je bosse un peu à côté, donc je risque de ne pas discuter. Ah, ça marche. Qu'est-ce que tu fais de beau? Tu me disais que tu étais dans l'immobilier, c'est ça? T'es bien toi là? Tu fais quoi dans l'immobilier d'ailleurs? C'est large. Qu'est-ce que je pourrais faire sur le côté de ce bateau? Je sais. Est-ce que je peux faire des loop cuts? Basé sur quoi? Ouais, c'est bon. Ah oui, ok, parce que j'ai toujours le comment ils appellent ça déjà? Le professional editing. Voilà. L'idée, c'est juste le faire un petit peu. Il est où mon cube là? Ouais, c'est ça. On va le cacher en attendant. Un truc comme ça. C'est plat le fond d'un bateau. Rendez-vous compta immobilier. Ah oui, ah, ça sent l'activité fun, ça. Boat. Bottom view. Ça ressemble à ça, le dessous d'un bateau. Ah, trop bien les bateaux où t'as des vitres en dessous. Ah, c'est trop stylé. Tu vois les fonds marins et tout. C'est quelque chose qui me passionne et me terrifie à la fois, les fonds marins. Tu te dis si ça va mal, c'est comme l'espace. Si ça se passe mal, t'es foutu. Elle était où l'image que j'avais tout à l'heure? C'était pas mal ça. Donc il y a la quille. Après en vrai on va pas le voir, je sais pas si c'est utile. Copier l'image, hop. Et elle a mis celle-là aussi. Même si elle est floue. Ah c'est bon. Il faudrait que j'ai donc un truc qui sorte là. À la limite, il faudrait presque un. Ah oui, c'est le plane qui est en dessous. Hop. Il faudrait presque que j'ai un bevel tout le long là. Et que j'extrude. Et en dessous.
Attends, je vais essayer. Si je sélectionne ça à ça. Contrôle B. Alors, extrude face à l'angle normal. Ouais, nickel. Et limite, il faudrait presque que je fasse la même chose derrière. Est-ce que j'ai la vue derrière un bateau? Ouais, pour le l'espèce de gouvernail. Ça va, j'ai pas extrudé une fois en trop. Non, c'est bon. Derrière du coup. Celles-là, je peux presque les dissolver. Quoique. Si je prends ça. Jusqu'ici, je dirais. Ok, et là, contrôle E, non, alt E. Bon, par contre, ça c'est moche, on va le corriger. D'élite vertice, ouais. Ah non, en fait, les deux points là, je vais les garder. C'est cela que je supprimais. Une face là, cette edge là, on la subdivide. Et ça, c'est merge. Au dernier, voilà. Ok. On dirait presque un vrai bateau. Voilà, et là, si je fais... F3 Bridge Edge Loop. Tada! Ok, super. Alors, un bateau vu de derrière. Pas un bateau amateur. On va faire un truc derrière là aussi. Hein. Genre ça, ça. Genre comme ça.
Je vais aller un peu loin. M'a l'air énorme. Hop. Un truc comme ça. Ça ressemble plus à un vrai bateau déjà. Ah oui. Contrôle Alt B. Qu'est-ce que ça donne? Casser un peu les angles, comme je disais. Mieux. Mieux déjà. Que j'essaierai pas de faire un petit tonneau shift A mèche cylindre dix, ouais, 10 c'est bien. Pourquoi ça s'était mis à ramer tout d'un coup? La vache. Pourquoi ça rame tout d'un coup là? Attends. Hop. On va le killer, le relancer, ça allait plus vite. Hein. Bah alors? Oh, ça rame. Il y a trop de face? Ah. Blender slow. While moving. Any modifier. Pourquoi ça se met à ramer? Very slow when moving et rotating. Ah. Le reste d'Unity, ça va? Il tourne bien là? Là, pourquoi il s'est soudainement mis à être très lent? Ça va être insupportable.
Même si c'est le seul objet éditable. Ah. Pourquoi tu es tout lent? Alors là, si vous avez une idée dans le chat, je suis preneur parce que... Nickel. Lent. Ah. Attends, je le ferme. Est-ce que mon PC a pris feu? Non, ça a l'air d'aller. Attends, si je pars sur autre chose là. Ah non, lui, il n'y a pas de problème. Ça va être trop chiant de travailler comme ça. When selecting moving. When using an inward section in file, user preference system. Attends. File. Attends, mais il date de quand le poste là? 2017. Ouais, ça a changé depuis. User preference. Ouais, mais ça a changé de nom du coup depuis. Un système. Open share. Ah, attends. Attends. Ce serait pas le. Changement du viewport là. Ah non. Non, ça ne change rien. Non, pourquoi c'est tout lent? Voir, c'est que en mode objet. Ah non, c'est dès que je veux éditer. Ah non, mais ça va pas être possible. Ce serait ça. Ah, la tige, c'est comme un modifier en fait. Ah, c'est bon à savoir ça. Non, ça change rien. Ça change rien. Check your RAM usage. Bah non, ça va. Je suis pas au max.
Un million de polis, non, ça va, moi je suis un. Je suis à 18 000 triants. Genre, c'est vraiment cet objet-là, quoi. What the fuck? What the fuck? ok. Oula. Super. C'est-à-dire quoi que tout nouvel objet que je rajoute va être en mode lent? Ok, donc il y a certains objets qui sont lents à déplacer. Blablabla. Ah, désolé, là on fait. J'ai un peu de debug. Genre ça va, ça va, ça va. Le bateau par contre non. Ok. C'est le modifier bleu 1 qui... Ah ben oui! Attends, où est-ce que je le crée mon... Ah ouais, du coup ça ramait parce que à chaque fois que je le déplaçais, il y avait du calcul. Faut que je le sorte du bateau. Voilà, et le bateau je peux remettre. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Ouais, à chaque fois en fait, vu que je fais un modifier booléen, c'est-à-dire que je creuse dans le mesh du bateau là, bien à chaque fois ça recalculait le trou que ça devait faire dedans. Un tonneau, ça fait cette taille-là à peu près par rapport à un homme. Comme ça? Tac. Voilà. Et là, tac, tac, tac. Un petit bevel. Une extrusion. Et voilà, le tonneau du pauvre.
Alors, on va faire un petit incent là. Mince. Voilà, comment faire un tonneau en 3 minutes. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. On se retrouve la semaine prochaine. c'est comment tonneau déjà? Barrel, tout à fait. De batterie sur le clavier. Hop là. Je vais remplir ma gourde, je reviens. Hop, avant de faire ça, on va le faire des deux côtés déjà. Voilà. Ah, attends. Ah. M'énerve, ce raccourci il sert à rien. Est-ce que j'ai moyen de désactiver? Avec, si tu appuies juste sur 1, 2, 3 en edit mode, ça te cache la collection, la première, la deuxième, la troisième. Je trouve que ça sert à rien. Keyboard One, Select Mode Toggle. Hide Collection. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. J'appuie sur 1. Ça montre que la 1, si j'appuie que sur 2, ça montre que la 2. Hide. Hide collection 1, 2, 3, 4, ouais, ça non. Voilà. Quoi? C'est pas ça que j'ai fait? Ouh là là. Je l'ai supprimé. Sauvegarder, non? C'est bon. Je vois pourquoi ça l'avait pas enregistré. Tac. Tac. Et là, Shift S, curseur tout selected. Parfait. Cette origine 3D curseur. Alors on va le déplacer, on s'en fiche. Et snap to face.
Pourquoi c'est pas droit? J'ai envie du dessus. Pourquoi c'est pas droit? Mince. What the fuck, man? C'est ce point-là qui est pas droit, on dirait. Alors, j'ai plusieurs questions. Pourquoi il y a un vieux loop cut qui part de là? Ça va à rien, c'est hein, cette jeu-là. Ouais. Donc non, ça c'est bien au centre du bateau. C'est ce point-là qui fait des trucs bizarres. Hop. Voilà. Et mieux. Je disais donc. Hop. Je vais en rajouter deux pour que ça fasse moins systématique. Voilà, elle est tonneau. Est-ce que j'arrive à faire un coffre rapidement? Coffre à trésor, si possible. Ouais, ça c'est une bonne ref. Ça c'est un joli coffre. Pareil, j'essaie de le faire rapidement. En version low poly. Tirer un cube. Mes petits tonneaux. Tu vas loin en termes de taille sur ton bateau, en tout cas, il a de la tronche, j'aime beaucoup. Ouais, je... Alors je le prends comme un compliment, je te remercie. Mais vu que je suis censé faire du low poly, ouais, je sais pas à quel point j'aurais peut-être dû faire un truc moins léché. Je sais pas où est-ce que je dois m'arrêter en fait. Peut-être que je fais trop compliqué.
Mais merci beaucoup. Oui, non, mais je me doute que venant de toi, c'est un compliment. Mais vu que j'essayais de faire du low poly, c'est que mon inspiration, c'était cet artiste-là, tu vois. Il a vraiment fait peu de choses sur son. Oh, attends, il a fait un coffre, j'avais pas vu. Il a fait assez peu de choses. Au final, est-ce que moi, j'en fais pas trop? Après, je veux pas être cet artiste, quoi. Donc, je me cherche encore un peu, je dirais. Mais honnêtement, pour dire que j'ai commencé il y a un peu plus d'un mois, je suis assez content de moi, ouais. Hop. Comme ça. Ouais, il y a toujours le snapping. J'arrive pas à me rendre compte. Moi, je pense que c'est ça qui est trop. Voilà. Et là, pour faire en un mois, c'est déjà énorme ce que tu arrives à réaliser. Je sais pas, je suis pas sûr honnêtement. Je fais des objets simples au final, hein. Je suis encore pas mal en une phase d'apprentissage. Mais c'est merci à toi. Honnêtement, je pourrais pas dire. Comment je pourrais faire ça? Là, ça va me faire un bevel là-dessus. Moi, je voudrais un arrondi comme ça. Donc, peut-être qu'il faudrait que je merge. Ouais, si, ok. On va merge ces deux-là. Add center. On va merge ces deux-là. Add center. Voilà, et là je peux faire CTRL B. Voilà. Salut Ultra Lord, bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton follow. J'espère que tu te plairas ici. Ouais, un truc comme ça. Il faudrait que je mette le lien pour l'Instagram. Tu fais de la 3D, je peux que me plaire. Alors, je débute en 3D. Ah tiens, j'avais parlé de mettre un message en bas là, tiens, j'ai oublié. Faut que je me note, sinon je vais oublier. Petit post-it. Alors, le chat, est-ce que tu peux me prendre mon stylo? De la 3D, mais je fais pas que moi aussi sous Blender, mais expert. SolidWorks, c'est quoi SolidWorks? Ah, oui, d'accord, oui, ok. Bonjour, je suis pas un Mickey. Ah, oui, pour une vraie boîte qui fait du. Ah, ouais, alors du coup, là, tu viens sur un stream de noob. Hein. D'accord, ok. Oh, oui, arrête, je vais rougir. J'en ai perdu mon latin. Ouais, mais comme disait Sensu, la base, que ce soit sur tel ou tel logiciel, après tu l'as sur les autres, quoi. Et du coup, ouais, je disais, ici on fait plein de choses.
Hop, scale là. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, ok. Hop là. Tu fais un bateau exactement. Et du crochet. Ouais, oui, donc du coup, pardon, j'ai arrêté mon speech en plein milieu. Pourquoi je suis pas centré? Tout à l'heure, j'ai mis un petit coup dans la caméra, je pensais ça. Ah, voilà, un petit pixel bien centré. Ouais, je fais plein de choses. Je suis développeur de jeux à la base. Ouais, tout à fait. Kikeko, et coucou à toi. Non, ça va, ce réflexe-là, je l'ai maintenant. Et je suis développeur de jeux vidéo. Je fais aussi. J'apprends la 3D. On fait un peu de pixel art. Et puis, il y a des activités créatives comme de la peinture sur figurine ou du crochet. On a commencé une petite peluche en crochet et c'est. Par contre, je suis en train de me demander s'il n'y a pas de face là. Non? C'est l'extrude si tu la foires. Non, dans le doute. Ok. Hop. Non, ça, il faut que je récupère avec les deux. Voilà. Je vais y arriver. Comme ça. Il y a les tonneaux qui m'intéressent à bord pratique quand j'ai la gorge sèche. Non, tu fais. C'est la caisse pour le rhum? Je sais pas, je fais un coffre. En fait, non, je suis en train de m'embêter pour rien. Pourquoi j'ai un incense là? Ah non, c'est l'extrude. Tiens, pour ceux qui veulent voir où est-ce qu'on en est pour l'instant. Voilà. On a un bateau. Il y a l'eau en dessous, mais on la voit pas. L'idée, c'était de faire un truc un minimum en low poly. Hein. De toute façon, j'ai pas le niveau pour faire du high poly. Bon. Comme vous pouvez voir. Ah non, vous pouvez pas voir. Ah, c'est caché. Si, attends. Je sais pas si on le voit en dessous là. Ouais, si, je crois que c'est juste en dessous de la musique. On est à 21 000 triangles, donc tout va bien. Elle est où ma rêve de coffre? Elle est là. Ah oui, c'était pas mal ça. Et merci Noxao pour le follow. Bienvenue à toi aussi. Bienvenue, bienvenue. Est-ce que, attends, si je fais un loop cut, que j'en fais deux. Non, il n'y a pas moyen de les écarter après coup. Ah, je vais y arriver. Factor. Non, ça le décale. Ton cordage qui bouffe tout, ouais. Salut Naxa, bienvenue à toi. Du coup, ton bateau, il est pour un jeu que tu devs? Non. Non, pour l'instant, je suis en apprentissage de 3D indépendamment du projet, parce que le projet de jeu, actuellement, il est en maturation. Je suis en train de travailler sur le game design, donc... Donc voilà, donc pour l'instant, c'est un peu... Oula, c'est un peu en pause. Donc j'espère que la semaine prochaine, ça revient. J'irai plutôt la semaine d'après.
J'espère. Donc en attendant, les live game devs sont remplacés par les live 3D. Un contrôle R et ajoute contrôle B sur la loupe. Ah, pour faire un bevel, mais sur une edge. Oh, c'est smart ça. Toujours de bons conseils, Kikeko. Ah oui, merde, par contre, on a mis 50. Ouais, bien vu ça. Hop. Ouais, ça marche pas. Ah, j'aurais dû mettre en pourcentage. Bon, je vais faire à vue de nez. Hein. Voilà. Non, en vrai, c'est pas trop grave. Parce que je voulais faire quoi? Je voulais faire. Hey, où m'arrive? Oui, c'est ça. Je me suis perdu. Alt E. Oula. Ah oui. Si je fais ça, elles sont pas reliées. Si je fais ça, ça part pas dans le bon sens. Si je fais ça, l'angle ne reste pas droit. Pourquoi il me garde pas l'angle droit ici? C'est quoi manifold? Oula oula. Je sais pas ce que c'est. Ouais, le spin il est là, d'accord. Ouais, je vais dire ça. Hein. Bien le bonjour, Codéine. Comment vas-tu? Ah, offset even, ok. Il y avait bien une option. Bon, par contre, là, il est énorme. D'ailleurs, je suis bien dû parce que je viens de chez Baba des Bois. Tu étais host visiblement. Ah, peut-être via le host automatique. En tout cas, je suis flatté. Oh, c'est vrai que je crois que si je vais sur ma chaîne Twitch, j'ai personne. En host automatique et en liste. Ah. Non, je vais m'entendre. Ouais, j'ai personne en dessous. Et ben, merci à lui. Tout à fait. Bah oui, je le connais bien. Enfin, je le connais bien. On se côtoie régulièrement l'un l'autre. Hein. Par stream interposé. Ouais, il est assez talentueux, ce garçon. C'en est. C'en est agaçant. Côtoyons-nous. Oui, c'est ça, de toute façon. C'est assez marrant comme la Twitch sphère est assez petite. Hein. Et encore plus dans la partie game dev. Ben, ça va bien, Codéine. Même 3D. Alors 3D, pas trop. 3D, je connais pas trop les autres streamers. Il faudrait que j'aille les découvrir un petit peu. Je
Je réfléchis. Je trouve le chapeau un peu bas, j'aimerais bien qu'il remonte un peu. Genre si je fais ça. Ouais, non. Je pense qu'il va falloir que j'en fasse un truc à part. Et que je relève tout ça. Ou alors. Ou alors. Tac, tac. Oula. Tac. Une seule face. On revient à l'état qu'on était avant. Ça et ça. Ça dégage. Ça et ça. En vrai? En vrai, le côté plat du coffre, c'est pas déconnant. Je crois que je préfère en fait. Oups. Ah, oh, j'aime bien en fait. Je crois que je vais rester comme ça. C'est un tout petit Twitch game pour la 3D. Tu m'étonnes. Déjà quand en game dev, c'est pas folichon. Ouh, je dois être tout sombre là, non? Ouais, on va allumer. Perdu, c'était l'autre. Ah. Vous êtes où? Que ce soit en art, développement de jeu, science, techno, tu retrouves souvent la même personne. Quand tu vas en art, non, il y a beaucoup de gens. Si je vais en art. Ah, il n'y a pas le nombre de streamers. Mais bon, je peux scroller un paquet. Hein. Attends, là, je suis passé dans les autres langues. Ah oui, c'est peut-être pour ça. Chaîne en français. Bon, il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a pas mal. Et en 3D. Oh, tiens, ça, c'est moi. Il y en a quand même pas mal, hein. Puis un peu de tout. Bon, il y a Bibi qui fait de la 3D, là. Et après, bon, t'as pas mal de dessins. Peinture sur figue, on dirait. Ah, stream crochet. Un copain ou une copine crochet. Tu nous fais quoi de beau en 3D? Tada! Tu fais un bateau. En relativement low poly. Ça commence à prendre forme. Madame Crochet, d'accord. Ah bah merci beaucoup. En rendu, pour l'instant, ça rend ça. Bon, les matériaux sont pas encore totalement définitifs et tout. On voit les trucs en blanc. Ouais, matériel de l'eau, je suis pas convaincu. Peut-être aller récupérer ce que j'ai fait sur le truc de camping. Faudrait que j'aille voir. Bah si, mon IOR est à 1,33,3. La valeur que j'ai trouvée. C'est quoi Cycle X? Je connais Cycle, que le moteur de rendu, mais. Cycles. C'est super propre. Ah bah merci beaucoup. Du coup, ce petit coffre là. Hop. Carte World Origin. Cette origine. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Cursor to selected, pardon. Hop. Et. Cette origine de 3D curseur. Voilà. Oula, oula, oula. On va les mettre au fond. Ouais, je fais des assets que personne ne verra. On va peut-être pas le mettre là, du coup. Hein.
toute façon, on le replacera au moment où on fera la compo. Parce qu'à la fin, ça sera une image. Hein. Cycle, c'est les versions de Blender. Voilà, V3. En ce moment, il y a la V3 qui dispose du tout nouveau Cycle X bien plus puissant à mon goût. D'accord. Là, je t'avoue, je suis sur. Je suis pas sur la bêta de la 3. Donc je sais pas du tout ce que ça donnera. On verra ce que ça donnera la V3. Je sais pas pourquoi elle est prévue. Voilà. Bon, est-ce que je rajoute encore des trucs ou franchement là, commence à être pas mal, hein. Commence à être pas mal. Vertical split. Paf. Ici, ça va être en rendu. Toujours une voile. Ah, mes yeux. Voilà. En tout cas, super taf. Ah bah merci beaucoup. Ça manque d'un max sur le bateau. J'aurais dû le prévoir avant parce que là j'ai déjà le gouvernail entre les deux mains. Non, pas modifieur. Water. Matériel prévu, ça rend pas grand chose. D'ailleurs, hop. Oh, ça change pas grand chose en 64. Alors, comment on peut faire un rendu d'eau qui est sympa? Pourquoi préférer Cycle à Eevee? Parce que je trouve le rendu avec Eevee cracra. Je sais pas, il y a un côté plastique que j'aime pas du tout. Je sais pas, voilà. Je vois tout le monde faire le rendu sur Cycles. Bah. Ouais, c'est ça. C'est un moteur plus réaliste apparemment. Au niveau de la lumière et tout ça. Donc j'avoue, j'utilise Cycles pour ça. Après voilà, hein, je suis à un niveau encore d'utilisation de Blender où je me suis pas encore trop posé les questions de type de rendu. Donc voilà. Bon alors cette flotte, IOR 1.33, c'est ça. Parce que moi ma ref pour l'eau, c'était ce qu'il avait fait. Ah, c'est pas vraiment de l'eau au final tu me diras. Bon après c'est très propre à son rendu, hein. Il faudra que j'essaie de trouver le mien mais on dirait un plastique transparent. Ah t'as toujours utilisé Eevee. Hein. Après Cycles, il faut aussi que le PC s'en sorte. Hein. Au contraire, je monte la robustness. En fait, je vois pas le détail des triangles que j'ai fait dessus. Pourtant, il y a un peu de volume, pas énormément, mais. Ouais, voilà. Ou alors. Peut-être que cette lumière. Je vais cacher le plane.
plus au niveau de la lumière comme ça. Ouais, ça marche un peu, mais pas des masses. Diffuse BSDF et Glossy BSDF. Ouais, j'avais vu ça et je l'avais utilisé sur. Attends, j'en ouvre un autre. Le camping at night que j'ai fait. Ah non, c'est. Il doit pas être dedans, je pense. Non, il doit pas être là. Je l'ai fait à la base pour Arius Tilzer. Unity, Arius Tilzer 3D. Non, perdu, c'est pas celui-là. Open Recent. Mais je sais plus où est-ce qu'il est, comment il s'appelle. Lopoli. Ah, c'est Lopoli, ouais, voilà. C'est la petite scénette que j'avais fait. Oula. Là. J'avais fait un truc que j'avais vu sur les internets, qui était effectivement un mélange de glossy, transparent, juste glossy. Toi, tu dis quoi, glossy et diffuse? Ah oui, diffuse pour la couleur et glossy. Ouais, je vais essayer, hein. Je vais essayer. J'ai pas réussi à trouver un truc qui me satisfait encore avec l'eau, donc plutôt que toi. Hop là. Un glossy. Un diffuse. C'est quoi, c'est Ctrl Shift 3. Ouais. Je sais pas s'il faut qu'elle soit mate. Au contraire. J'avais dit quoi? Ah oui, transmission. Oui, l'IOR. Que tu mets comment d'ailleurs? Ah ah. Dans le diffuse, comment ça? Est-ce que c'était un champ? C'était un champ propre? Vous êtes trop mignons à tous m'aider. C'est plus le stream où vous m'apprenez des trucs que l'inverse, hein. J'avais dit quoi d'autre? J'avais dit. Ouais, transmission. Transparente. Ah, c'est l'ombre du bateau là qui couvre tous les triangles qui sont ici. Peut-être limite que la lumière je la mette derrière le bateau, genre ça. Ici. Et un peu plus en l'air. What the fuck? Ok, je sais pas ce que j'ai fait. Ça
C'est un Refraction BSDF. Ok. Ah oui, c'est ça. Oui, le pire, c'est que je le sais. Ce que j'ai utilisé. Tac. Pas besoin du diffuse nécessairement. Oui, du coup, la couleur, tu peux la mettre là. Ça revient à faire ça. Ah, par contre, c'est ouais. C'est sombre du coup. Pour de l'eau, 0,05? 0,05? Ça va être un miroir. Hein. Il y en a plusieurs, Beckman, Sharp, GGX. Bon, la lumière est trop près de l'eau, là, il faudra que je la décale. Alors, transmission, en fait, il est là. Regarde. C'est transparent. Hein. C'est juste qu'on le voit pas très bien, mais il y a de la transparence, ouais. Et par contre, ça s'appelle pas transmission, ça s'appelle le node, il s'est. Ah! Mais ah, oh, je suis passé en QWERTY. Je disais donc, il s'appelle transparente. Il sera transparente et la translucente aussi. Alors, quid de la différence? Ah, translucente, c'est peut-être mieux que transparente. Et utiliser des lights, peut-être que tu pourrais utiliser un HDRI ou un environment. Je me suis pas trop penché sur l'HDRI, c'est vrai que. C'est vrai que je pourrais là. Oui, bien sûr. Oui, vas-y, vas-y. Je t'en prie. Translucent est plus réaliste, je trouve. Ah, c'est cool. Ah, c'est stylé. Ouais, je pense qu'avec des textures flat comme ça en pixel art, Eevee, ça marche très bien. Ah, c'est stylé. J'ai pas de truc marin. Ah si, ouais, vite fait. Ah, n'empêche, les couleurs sont cool avec celui-là. Par contre, au niveau du rendu. Au niveau du rendu, ça le prend pas en compte. Je sais pas comment tu fais pour prendre en compte. Je crois que c'est dans. C'est ici. Plutôt que mettre une surface, tu dois mettre. Tu dois mettre un HDRI. Alors attendez, j'ai ma petite liste. Un truc en mer. Que les trucs sur Terre.
Ah, à la limite. Bord de mer, le retour. Tu veux que je la fasse maintenant? Ok. Pour les petits loups, petite pause. Ouais, comme ça, des beautés, mais il est quasiment 15h30. On va dire qu'à dire 7 minutes de pause. Allez vous dégourdir les jambes, allez faire pipi. Allez boire un coup. À de suite. Bisous. Oui! Ah, raté. Il y a des follow même quand je ne suis pas là. Donc merci à toi Jim Wild pour ton follow, bienvenue à toi, bien vous êtes nombreux aujourd'hui, plus 3 follow, incroyable. Le coup du chrono, c'est-à-dire... Tout ça pour ta super page de... Exactement. Mais je me suis dit, qui me spamme là? Appel indésirable suspecté, génial. Oui, avec les anecdotes, les trivia. Eh bien, en fait, à la base, il y a plus d'un an, faut que je retrouve le lien. Hop, j'avais créé une chaîne YouTube avec des vidéos d'anecdotes sur le jeu vidéo parce que moi j'adore ça. J'adore ça, les petits trivia que tu peux apprendre sur le jeu vidéo. Bon, il se trouve que je n'ai pas eu le temps d'en faire plus que 3 épisodes. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit, je les mettrai en écran de pause, effectivement, donc sur l'écran de pause et sur l'écran de démarrage de stream, comme ça, les gens, pendant qu'ils attendent, ils ont quand même quelque chose à faire. Donc voilà. Et de temps en temps, j'en rajoute. Je crois qu'on a une cinquantaine là. Il faudrait que je fasse une petite passe de rajout. Donc, j'aime bien celui-là. Ah, j'ai déjà ouvert. J'ai déjà ouvert ici. J'aime bien celui-là. Bon, 4K, ça sert à rien. Hein. On va prendre. Hop. Je crois que j'ai ça dans un dossier. Texture, HDRI. Ouais. Image texture. Hop. Du coup, il y a la lumière qui vient du fond là-bas. On va peut-être plutôt orienter pour que la lumière... C'est quoi? C'est CTRL T? Ouais. Ça tourne pas? C'est pas ça? Ah, c'est pas ça. Ah, je me souviens plus alors. Comment je peux le faire rotater? Il y a moyen. Vivement que j'ai mon troisième écran. Ça commence à être indispensable. Rotate HDRI. Blender. C'est dans World, dans ton shading. Oui, je suis dedans. Du coup, ça me l'a bien mis. Attends. Ça me l'a mis? Ou je suis toujours sur... J'ai un doute en fait. Elle ressemble à quoi mon image? Sur le X, Y, Z? Ouais, sur rotation, non, ça a rien changé. Mais en fait, je suis en train de me dire, on le voit pas. Là, je suis sur l'image par défaut de... Attends. Je suis sur quoi là? Ah. 3D, texture, HDRI.
Ouais, pareil, bah, tu vois, j'apprends là, du coup, tu m'as suggéré d'utiliser une. Si, c'est bon, c'est bien la bonne image que j'utilise. Je crois que c'est la même en fait. C'est la même. J'ai téléchargé la même image qu'il y a dans Blender. Ok, bon, c'est pas grave. Parce que là, si j'en mets une autre. Ah non, si j'en mets une autre, par contre, non, ça change pas. Scene World, Scene Shading. Sans jeu de mots avec ton dessin. Pas mal, pas mal. Ah. Alors déjà, on va mettre HDRI Blender, tout court. How to add HDRI Environment Map. C'est vrai que j'y pense jamais. Et ça peut être plus sympa que juste 3 lights. Ici. Surface, ouais. Surface. Background. Ah. Non. Ça revient à ça. In the color section. Ah, c'est pas image texture. C'est environnement texture. Hop. On va mettre une autre. Ouais, c'est ça. Environment. Click open, ouais. Pourquoi je ne le vois pas? Je suis bien en world pourtant. Ou alors peut-être que je coupe. Ah ok, Scene World. C'est le même! J'ai téléchargé le même. Ok. Adjusting the HDR. Sa location et sa taille. From the editor. Shader editor, oui, c'est bon. Oui. Ouais, bah le mapping. Ah bah oui, non, mais du coup, le mapping, ça va être bon. Ouais, ok. Ça va être bon le mapping, c'est juste que j'avais pas le bon node à la base. Fais voir 90. Perdu. Moins 90. Voilà. J'avoue, la lumière, elle est cool. Hein. Ça fait des trucs chouettes, l'HDRI. Hein. Par contre, du coup. Ah oui, on le voit pas. C'est tout cramé, par contre. Ah, on le voit, par contre.
voudrais juste les couleurs, enfin l'éclairage, je voudrais pas la texture. Hein. Après, tu me diras, c'est pas très grave, je peux remettre ça, mais. Du coup, là, on voit que c'est tout cramé. C'est tout cramé. La key light n'a presque plus lieu d'être. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Magnifique. Non. Pas avec ça. Voilà. Ah, j'ai oublié de le couper. Ah, par contre, l'eau. Je suis vraiment pas convaincu, hein. Je suis pas convaincu du tout. Je réfléchis. Qu'est-ce que j'avais mis? Translucent. En fait, j'aimerais bien. Qu'à l'instar de cette ref, tous les petits triangles qui font la surface, on les voit mieux que ça, quoi. J'ai l'impression qu'on les voit vraiment pas beaucoup. Là, vous voyez, on peut presque distinguer chaque tri, quoi. C'est marrant, avec clic droit, tu peux analyser l'image. On dirait que tu es à l'intérieur des tris. Comment ça? Ouais, sur la ref. Hein. Non, je pense que c'est. Regarde, c'est un cube. Et je pense qu'il y en a sur les côtés là. Pense qu'il y en a à l'intérieur, c'est tout. Parce que ça, j'ai réussi à le faire sur ça. Sur mon sol, là, vous voyez, on les voit bien, les petits triangles. Ce que j'avais mis, il y a combien de lumière ici? T'as un soleil qui est loin. Qui éclaire de façon globale.
lumière qui éclaire ici, mais qui est assez secondaire. Et surtout, t'as le feu, quoi. T'as le feu qui a pas mal de power. Enfin, qui a peu de power, mais qui a peu de radius aussi. Ah, c'est compliqué les lights. C'est compliqué. Ça ressemble à du System of a Down. Pas évident, pas évident. Peut-être changer la couleur de ce. J'ai l'impression aussi que. Le rose du fond là ne rentre pas trop en compte dans le. Enfin, ça se reflète pas trop sur son ILU quoi. Du coup, il peut utiliser n'importe quelle image en fond. Ah, je sais pas, je sais pas, tiens. Object. Ah, avec plus de roughness, ça se voit un peu plus. Effectivement, les faces reflètent un peu plus la lumière, donc on a peut-être plus tendance à les voir. Bon, par contre, hop, sur ce point-là, ça va pas du tout. Ah, c'est pas facile, hein. Pourtant, c'est 50% du travail, le rendu. Genre à la limite là ça marche mieux, juste sur le glossy. Juste un shader, un autre glossy et pouf. Petit côté un peu flat. C'est la réfraction qui a. En fait c'est vrai, c'est ça, c'est l'indice de réfraction. Après tout, je veux pas faire de l'eau naturelle, donc est-ce que je me prends pas la tête? Ouais, ça a l'air pas trop mal comme ça.
Ouais, non, c'est pas mal comme ça. Je sais pas si c'est très transparent. Ouais, là, on voit que la lumière, elle arrive bien dessus. La lumière de l'HDRI. Oh là, le truc qui crame derrière. Je vais revenir à mon idée initiale sans HDRI. Je me demandais aussi pourquoi il y a un petit truc que j'avais pas tilté, mais je crois que son rendu il est orthographique. Je crois qu'il n'y a pas de perspective. Je sais pas si vous voyez comme moi. Du coup, si je vire la perspective, on dirait, hein, on est d'accord. Je m'étais pas fait réflexion. Je sais plus si c'est sur la caméra, ouais. Ce qui peut être un rendu sympa aussi, hein. Bah alors, pourquoi le zoom il marche pas? Ah, c'est l'orthographique. Du coup, orthographic scale. Ça fera un rendu comme ça. Avec la lumière, c'est mieux. Bon, va falloir éclairer tout ça, hein, évidemment. Du coup, vu que mon eau elle est un peu légère, peut-être que là on peut mettre un bleu. Un bleu comme ça. Bon, cette lumière là derrière. Comment j'avais fait mon éclairage ici? C'était quoi? C'était bon, le Firecamp. Un point un peu plus loin pour éclairer un peu la face ici. Et le soleil. Ah, faut peut-être que je fasse un soleil en fait. Hop. Hop. Petit soleil légèrement orangé. Petit soleil légèrement orangé. Il est où mon soleil? Il est là.
Voilà. Je suis à combien là? En termes de cramage. Ouais, 4 c'est bien. Ah, c'est pas mal comme ça. Donc là, éclairage ici. Il en faudrait un autre. Qui éclaire plutôt cette partie-là du bateau. Voilà, on pourrait le mettre à l'opposé ici, avec une teinte un peu bleutée. Ce serait presque l'eau qui émettrait de la lumière. Hop. Voilà. Du coup, là, la caméra, je vais pouvoir la rapprocher un peu. Bon, ça sert à rien. Caméra. Ok. C'est dommage parce que j'ai l'impression que finalement le bateau on le voit pas tant que ça. Si. L'intérieur est sombre, quoi. J'avais la fill light. Voilà. Je peux plus bouger. En fait, c'est la voile qui cache la lumière du soleil. Peut-être tourner la lumière du soleil. Comme ça, c'est peut-être mieux. Comme ça, on voit bien l'intérieur du bateau. N'hésitez pas à me faire vos retours en live, hein. Ah, je sais pas trop quoi en penser. Ah, j'ai toujours la lumière moche que j'ai mis là.
Il y a beaucoup de places perdues là à droite. Hein. Il y a beaucoup de places perdues. Salut Max, comment vas-tu? Ouais, exactement. Il manque un truc. Là, c'est vide au-dessus. Il ressort vachement le hublot. Salut, la Kiwitu, et bienvenue à toi. Ouais, donc là c'est vide. Donc, le problème c'est que si je rapproche ça, ça marche. Ouais, si je rapproche ça, ça coupe. Ben, ça va bien, et toi? Tu peux me tutoyer, hein, t'inquiète pas. Ou alors tu parlais au chat aussi. Il y a une démo qui est sortie d'Elden Ring. Ah, je suis pas très fan des Souls-like. Mais ça va bien. Je serais curieux de jeter un œil sur celui-là, ceci dit. Ou alors, c'est une bêta étalée sur le week-end. D'accord, et alors, c'était bien. Bah, merci pour ton follow. Merci beaucoup pour ton follow. LuckyWeeToo est bienvenue à toi. Officiellement. J'espère que tu te plairas ici. Plutôt bouger la cam. J'aimerais pas que ce soit totalement de côté, quoi. Ah ouais? Aussi dur qu'un Dark Souls ou c'est assez différent? Ouais, c'est vraiment en bête. Tu fais quoi? Ben, une petite scène comme tu peux voir d'un bateau. J'apprends à trouver. Donc... Là, je suis sur cette petite scène. Non, mais là, j'ai trop d'espace vide en bas. Et là. Là, tout ça, c'est vide. Là, c'est moche. C'est moche, c'est moche. Ça a l'air plus simple au premier abord, mais c'est peut-être parce que je suis habitué. En tout cas, l'open world est réussi. Ok. Comment je pourrais combler ce vide derrière? Ou alors tu le vois plus de face? Ouais, mais tu perds, hein. Tu perds tout le détail de l'intérieur. L'idéal, c'est, ça serait ça, quoi. Et si je vire... J'allais dire, et si je vire l'orthographique, mais... Panoramique. Ah, c'est marrant. Perspective. Orthographique. Non, ce serait plus sympa en ortho, je pense. Hein. Après, tu me diras, il y a aussi de la place perdue à gauche, donc il faudrait presque que ça soit centré.
par rapport à ici. Genre c'est centré comme ça. Et dans ce cas-là... Ou alors j'embrasse le fait que ça va dépasser. Ou alors je zoome. Peut-être rapprocher un peu la caméra. Je vais rêver de cryptage Canal Plus là avec ses effets de, le denoise qui se remet. C'est déjà vendredi soir. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Pendant que on règle les soucis de composition. Parlez-moi un peu de votre semaine. Non, on voit un peu mieux l'intérieur du bateau, c'est quand même mieux. Bien occupé. Qu'est-ce que vous faites de beau, tiens? Est-ce que vous êtes en études? Est-ce que vous travaillez? Des sapins en 3D toute la semaine. C'était pas bien? Ah oui, tu en avais parlé, je crois, Max. Tu en avais déjà parlé, je crois. Là, vous êtes plein de petits nouveaux là ces derniers temps, ça fait plaisir déjà. Et ensuite, j'essaie de me souvenir de chacun de vous, mais c'est pas forcément évident. Donc si je vous demande de répéter des trucs que vous m'avez déjà dit, ne prenez pas personnellement. Il va falloir lâcher le bardier, moi c'est pas possible ça là. Non, 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 non. J'ai mangé ma moustache. Bon. Imaginons la vue pour le bateau, c'est ça. Ça va, il n'y a pas trop de pertes à droite, il y en a un peu à gauche. Qu'est-ce qu'on fait du reste de la compo? Qu'est-ce qu'on fait du reste de la compo? Oui, je répète tout deux fois comme une dictée. Si le reste c'était la mer. Si ça c'était la mer. Un truc comme ça, mais c'est dommage, c'est. Est-ce que c'est vraiment dommage, tu me diras. En général, je dessine. Oui, en fait, je dessine des pylônes arbres pour la téléphonie depuis 6 mois. D'accord. C'est-à-dire? Pour qu'ils puissent mettre des. Qu'ils puissent déguiser des antennes en arbres pour l'environnement.
Oh, l'idée n'est pas déconnant. Déconnante. C'est où le bug face scaling déjà? De toute façon, par défaut, il y est. Hein. Pourquoi ma voile elle est très bleue? C'est quoi, c'est P? Ouais. C'est fou ça, pourquoi? Exactement, c'est des pylônes en métal avec des antennes montées dessus et les branches sont en semi-miniature. Ceci n'est pas un pylône, c'est exactement ça. C'est là. Bah ouais, il est activé du coup. Enfin, il est désactivé. Dans ce cas-là, pourquoi lui il a une couleur bizarre? Cinq faces, ouais. C'est quoi flip normal déjà? Ah, le chat est parti. Shift N. L-N. Non. Bon, non, ça change rien. Bon, ça me rassure. Pourquoi il est bleu. Pourquoi il prend autant la lumière de
Je ne sais quoi d'ailleurs. D'ailleurs, est-ce que la lumière a dû... Ah, j'allais dire, ça vient en même temps que la caméra. Enfin, en face de la caméra, pff, tu verras pas d'ombre. En termes de volume, c'est pas ouf. Donc, non, j'ai rien dit. Point d'exclamation de jam. Oula, c'était il y a longtemps ça. Je suis pas sûr qu'il marche encore. Je crois que chez les autres, ça fait le chat qui danse. D'ailleurs, je pourrais le mettre. C'est l'autre côté. Pourquoi j'ai un petit drapeau bleu? Est-ce que j'ai toujours l'HDRI? Je l'avais coupé dans mon souvenir. Dans le doute. Si je coupe, ah c'est ma, ah c'est ma lumière bleue là. Oh là là, ok d'accord. Oh j'ai rien dit. C'est ma lumière bleue là. Ceci dit, si je la mets blanche. Eh bien, tout ça pour ça. Ouais. Ah, mais comme je disais, je maîtrise pas encore l'histoire des lumières, composition et tout ça. Je commence à me débrouiller en modélisation. Et... C'est vrai que c'est un vrai métier. Hein. Qu'est-ce que je fais? Z. Hop. Faudra que je refasse le... cube avec moins de triangles, avec plus de triangles. Je suis en train de penser. Là, si je le coupe, voilà, c'est très sombre. Donc là, c'est juste pour éclairer cette face-là du bateau qui est carrément très sombre. Ah, c'est quand même bleué, hein. Cette bleue, doit être blanc. C'est le reflet du plan. Ça c'est blanc, ça c'est bleu, ça c'est blanc, ça c'est bleu.
Je pige pas. Je fais exactement la même boulette. Parce que du coup c'est nul, il ressort pas du tout du fond quoi. Qu'est-ce qu'il me fait là? Oh là là. Tiens, un truc qui pourrait être intéressant. Elle était où ma lumière qui servait à rien là? Ça pourrait éclairer depuis l'intérieur. D'où ça traverse? Alors par contre, pourquoi ça traverse? Pourquoi ça éclaire en bas? Ça arrête pas la lumière, ça? Ou alors... Je comprends rien. Pourquoi la lumière, elle traverse le bout de bois? Ah! Parce que j'avais coché... Pourquoi j'ai plus accès au... Ah, je suis en mode edit. Parce que j'avais mis Cast Shadow. Voilà. Ça, on pourrait dire que c'est une sorte de lanterne. Voilà. Comme ça. Ah, mes yeux. Comme ça, on peut le déplacer ici. Truc comme ça. Est-ce que j'ai moyen de mettre une texture sur... Je sais pas si ça va très bien marcher. Mettre un peu de texture sur ce bois. Ouais, un truc comme ça, à la limite.
Tu vas lurk? Eh ben, des bisous à toi, Ultra Lord. Et je reconnais les émotes de Baba. À toutes. J'ai pas fait l'UE, donc ça va être un vrai. Ouais, voilà. Ah, c'est un shader ça. D'où le color ramp. Quoique. Un mix shader. Je sens que je commence à fatiguer. Je commence à être perdu. Ah, ce mix shader, c'est un mix RGB en plus. Voilà. Plutôt utiliser un color ramp. Ça marche pas du tout. Ah, faut que je mette en couleur. Le bois, c'est plutôt des lignes. Texture wood. Plutôt des lignes, le bois, donc. Et de temps en temps des nœuds, mais. On peut voir, texture, wood, node, blender. Ouais, c'est plutôt ça, c'est le wave texture, ouais, ce que je pensais. Magnifique. Alors pas autant peut-être. Un peu de distorsion. Voir l'image que j'avais, c'est pas mal ça. Ils en ont fait plein. Ah, avec le, ouais, le wave pour faire le nœud. J'aime beaucoup celui-là. Scale en 1-2. Après, ça dépend de la taille dont tu as besoin. Ouais, moi j'aurais plutôt besoin de ça. Distorsion 12. Peut-être un peu beaucoup. 8. Détail 2, ouais.
Data scale. Ça marche bien. Mais avec une image. Je pourrais. Après, c'est vrai que je peux choper une image. Après, le but du low poly, c'est de faire du des couleurs flat. Hein, donc, se demander si je vais pas revenir à ce que j'avais fait à la base et puis. Et rester sur un truc comme ça. Couleur comme ça. Ça fait très très plat, je sais pas. Bizarre là. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la 3D. Je sens que j'ai besoin que mon cerveau se repose un peu. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Peut-être essayer de polir un petit peu la coque de ce bateau. Qu'il fasse un peu moins lisse. Un peu moins propre. Texturer le coffre et les tonneaux, ça va aller assez vite. Oh. Et faire la composition. Faire la compo. Enfin, finir la compo. Réfléchir un peu. Je ferai certainement ça demain. Bon. Ben, c'était l'instant 3D. Ah, j'ai oublié de faire une photo. De la progression. Enfin, une capture d'écran.